Un matin d'automne, sur la petite place de la commune de Chilla, face à un monstre marin à 6 têtes et 12 pieds. Les marins évitaient ce danger nommé Charybde pour tomber dans un autre, le gouffre marin de Chilla. L'expression de Charybde en Chilla est ainsi née. Sur la pointe qui s'avance dans le détroit de Messine, nous empruntons le ferry pour rejoindre la Sicile. Une nuit de route et quelques heures plus tard, voici qu'apparaît Taormina. Le tourisme s'envole en 1866 avec l'arrivée du chemin de fer depuis Messine. Dans l'un des palaces qui vit Jean Cocteau, Greta Garbo ou Salvador Dali prendre son petit déjeuner en admirant la côte. Jonché sur le haut d'une falaise de 200 mètres, on s'enivre de paysages à couper le souffle. Voici mon guide, Renato, qui a pour mission de nous emmener sur les traces des Siciliens. La première étape de ce carnet de route s'inscrit dans le petit port de pêche avec le chef sicilien Pietro D'Agostino. Voici Angelo Inglese, tailleur des grands de ce monde, de passage dans la cité. Pietro est l'un des chefs siciliens les plus reconnus. Né à Taormina, il régalait déjà les clients du London's Hyde Park à l'âge de 21 ans. À 28 ans, il est chef exécutif de l'hôtel Le Méridien à Turin et cuisine pour la Juventus. C'est à l'âge de 31 ans qu'il accomplit son rêve, ouvrir son propre restaurant, la Capiniera, dans sa ville natale, Taormina. Son ami pêcheur nous emmène sur le bateau qui lui livre quotidiennement les produits de sa carte étoilée. L'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Les paysages sont magnifiques. Pietro nous emmène chez le patron du bateau de pêche. Il nous présente son travail et surtout la philosophie de son entreprise. Ici, l'on pêche quotidiennement le poisson des restaurants de la côte. Du thon frais à la rascasse, la pêche se veut durable afin de préserver le second patrimoine de la région, la gastronomie. La corniche qui sépare l'hôtel de la Capiniera offre une vue exceptionnelle sur la baie et laisse deviner les pentes de l'Etna. La baie de Naxos est l'une des premières colonies grecques de l'île. Elle fut à la fois grecque, byzantine, romaine et arabe. La richesse des paysages et la perspective sur le détroit de Messine, les cités de Charybde de Scylla d'où nous venons, et l'Etna au sud, où nous nous dirigerons ensuite. Pietro a réuni ses amis pour un afterwork où nous faisons connaissance de personnages très intéressants. Petit cadeau de Angelo Inglese à son ami Pietro et à notre guide Renato, des vestes brodées au nom des deux compères. Per Pietro. Mamma, è una giacca per te, Renato. Mo, dai. Je vous vois tous manger des pistaches. Elles sont délicieuses. Voulez-vous en voir la cueillette? Pourquoi pas. Ce serait pour quand? Disons, demain matin. D'accord. À quelle heure? Assez tôt. La campagne est baignée de lumière. La route ensoleillée qui nous sépare de Taormina s'appelle la route de l'or vert. Aucune formule touristique ne propose d'itinéraire dédié. L'invitation inattendue à découvrir une récolte qui ne se fait que tous les deux ans
et de bon augure pour ce voyage. Les pistaches poussent fin mars, début avril. Les graines sont d'abord toutes petites, puis deviennent jaunes au fur et à mesure. Elles grossissent, puis deviennent rougeâtres. Quand elles sont rouges, roses et blanches, alors elles sont mûres. Nous commençons donc la récolte. La peau est enlevée. Voici la cosse que nous utilisons comme engrais sous les plantes. Mais on étudie actuellement une recette dans le domaine de l'esthétique. Cette couleur mauve et ces nuances magnifiques sont très particulières. C'est ce qui caractérise ces pistaches de l'Etna par rapport aux autres. Comme vous voyez, les pistaches poussent dans la plaine, même s'il s'agit d'un sol très rocheux. C'est de la terre lavique. Les pistaches poussent naturellement sur un sol lavique, de manière assez sauvage, et même sur les collines. Mère Nature a fait tout son parcours. L'arbre s'est reproduit tout seul à partir des vergers que les Arabes ont un jour créés. Puis, quand ils ont quitté la Sicile, ils nous ont laissé ce fruit magnifique, symbole des richesses de notre territoire. Mais où nous étions ce matin, j'ai vu des pistachiers qui poussaient sur des collines, non ? Je peux les appeler collines ? C'était sur des rochers, c'est différent. Un rocher de fleuve. Mais l'arbre a trouvé sa position idéale même là-bas, sous la paroi de roche. Ses caractéristiques tout à fait particulières, ainsi que ses propriétés nutritives, ont permis à la pistache de Bronte d'obtenir le label DOP, assigné par l'Union européenne. La pistache s'inscrit aujourd'hui au patrimoine gastronomique de l'humanité et celle de Laura Lupo s'exporte dans le monde entier. À quelques kilomètres, sur les pentes de l'Etna, des milliers d'orangers. Giuseppe, dans ce magnifique jardin, une orangerie de rêve. L'Etna se trouve juste derrière nous. C'était votre rêve, votre projet ? Oui, il est né de la volonté de mettre en valeur l'orange sanguine. Mais comment la valoriser ? Tout simplement avec une liqueur, un digestif. Au fil des ans, nous avons dû faire face au problème de hausse de la température. Il devenait de plus en plus difficile de gérer un vignoble sur ces terres. La famille d'Eduardo a décidé de tout miser sur l'orange, car cette orange rouge pousse uniquement sur la plaine de Catane. La caractéristique de ce territoire, c'est qu'il s'agit justement d'une plaine. Et ici, on frôle facilement les 40 degrés en été. Mais le soir, la variation thermique fait rapidement redescendre les températures à 10, voire à 5 degrés. Incroyable. Mais c'est grâce à ce phénomène thermique et à la minéralité du terrain que naît l'orange rouge de Sicile. Voyant la terre se modifier suite au changement climatique, les frères ont remplacé le vin par les oranges, tout en poursuivant un processus de développement basé sur la culture d'une boisson produite au pied de l'Etna. Dans les caves fraîches de cet ancien domaine viticole, des frères et des associés ont repris le travail de leur père. J'ai rencontré des gens heureux et fiers de leur travail. Une nuit plus tard, nous voici à Via Grande, en province de Catane. Un village de 8000 habitants, au trésor viticole reconnu. Nous voici chez Antonio Benanti. Il y a une morte siciliana.
grande privilège poter s'y occupare a tempo pieno. C'est un grand privilège de pouvoir s'occuper à temps plein de la production de vin sur ce territoire particulier. Car la Sicile et la région autour de l'Etna a toujours produit de grands cépages de grande qualité. Mais pendant longtemps, la capacité de traduire cela dans de grands vins a manqué. La capacità di convertire tutto questo in un grande vino. La produzione del vino è. La production de vin était une tradition jusqu'à l'époque de mon grand-père. Mon père l'a poursuivi un peu, puis en 1935, il a fondé une entreprise pharmaceutique. Quand mon grand-père est décédé en 1958, la production s'est arrêtée. L'Etna Rosso est l'exemple même d'un vin d'entrée, un classique de l'Etna qui vient en grande partie de ce vignoble sur le mont Serra, mais il a aussi des raisins qui viennent d'autres coins de l'Etna. L'idée, c'est qu'il soit un représentant, puisqu'il est fait avec des raisins qui viennent de différents cépages. C'est un peu un ambassadeur de l'Etna dans sa totalité. Je ne puis m'empêcher, avant de partir, de faire quelques pas dans le théâtre grec de Taormina, avec vue sur l'Etna. Dottoressa Vera Greco, buongiorno. Veramente un grande piacere. Docteur Vera Greco, bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, sur ce plateau qui a reçu les membres du G7, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé et le théâtre était sous 131. C'était un peu la course contre le temps, mais nous avons réussi. Nous avons vraiment joué en équipe et cela nous a fait remporter la victoire. Ils ont tous été émerveillés par la beauté du théâtre, mais aussi par le fait que nous avions réussi à le remettre en état. Ils ont pu profiter de tout, du paysage, du théâtre, de ce lieu extraordinaire où il est niché, où les Grecs ont choisi de faire le théâtre, et d'où on peut voir la mer et l'Etna. C'est un endroit unique au monde. Dominique Zenon. Mon histoire est quand même relativement simple, fils d'émigrés bien sûr, mais j'ai commencé dans la restauration. Je cherche une émotion, je cherche un territoire, je cherche un terroir. J'ai trouvé chez Valle della Cate, avec Madame Gaetana, quelqu'un qui respecte son terroir, quelque chose d'extraordinaire. Chaque terroir, chaque parcelle de terrain a son propre encépagement, c'est magnifique. La moyenne de production, c'est aux alentours des entre 5 000 à 6 000 bouteilles l'hectare. C'est fabuleux. À chaque plante, c'est une bouteille. Eh, hey, papa, je voudrais te présenter Renato. Donc là, abbiamo un'uvetta, una grappola di. J'admire mon raisin. Molto concentrata, molto stretta, bellissima. Une grappe de Frappato, très concentrée, très dense, très belle. C'est notre cépage local. Le Frappato, c'est le raisin qui, avec le Nero d'Avola, crée le Cerasuolo di Vittoria. Noto, construite dans le style baroque sicilien. Cette unité architecturale l'autorise à être inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Noto fut entièrement reconstruite après le séisme qui la ravagea en 1693. Notre guide nous emmène dans les rues de la ville, sur les toits de la cathédrale San Nicolo. C'est ici, en Sicile, que la cathédrale devient le symbole de la Renaissance. À ce moment, l'histoire de Noto renaît, après sa presque disparition due au séisme. Noto, qui était uniquement une ville pour les voyageurs, pour les touristes, pour ainsi dire, devient, à partir de ce moment, une ville pour tous. Il y a donc la naissance de nouveaux métiers, mais aussi la renaissance des anciens métiers
Ma génération est la première à être restée ici. Elle s'est même inventée des bouleaux tout autour de la cathédrale. On voit renaître aussi la production vinicole avec les domaines de Nero d'Avola. On travaille à nouveau la pierre, on s'occupe de tourisme. Ce sont des activités qui permettent à toute une génération de rester à Noto. Je dirais même plus. Il y a même des entrepreneurs du nord de l'Italie qui viennent chercher le vin ici dans le sud. C'est le monde à l'envers. Une belle réalité, tout compte fait. De belles opportunités pour tous. Le séisme de Santa Lucia, en décembre 1990, occasionna des dégâts aux piliers de l'édifice. Aujourd'hui restaurée, elle fut élevée en 2012 au rang de basilique mineure par le pape Benoît XVI. Dans un bar branché, à l'ombre de la cathédrale, notre guide nous mène tout droit déguster une granita. Je laisse Renato à sa passion, la cuisine. On prend un bol et on commence à y mettre la glace pilée, le sucre, le jus de citron. On mouline pour le tourner. Il devient blanc. Il devient de cette couleur-ci. Alors mon cher, qu'est-ce qu'on a ici? Tuna cipudara, la chose la plus sicilienne qui existe. Continuons. De l'oignon rissolé, un peu de sel. Quand il est doré comme ça, on ajoute le vin, le concentré de tomate et on fait frire le thon, comme ça. On ajoute ensuite un peu de vinaigre et on laisse évaporer. Les câpres crues, car leur fonction est de nettoyer la bouche après. Voici les pistaches, elles viennent de chez une productrice qui produit des pistaches magnifiques au pied de l'Etna. Parce qu'il faut sentir l'odeur fumée, tu continues et après tu l'enlèves quand elle est brûlée de tous les côtés. Tu l'ouvres comme ça. C'est quelque chose qui est typique à Noto. Mais au fait, comment s'appelait le chef? On ne l'a jamais su, car notre ami Renato l'a appelé d'un autre prénom tout au long de la visite. À la découverte de ses pères, la Sicile nous emmène pour un soir à Marzamemi. Renato me fait découvrir ce village minuscule, construit à l'origine pour être un port de pêche. Situé à 25 km de Noto, on retrouve des traces de Marzamemi au Xe siècle, lorsque les Arabes inscrivent ce nom sur une carte. Il signifierait « baie de la tourterelle ». Nous y mangeons, faisons la fête avec des mariés. Chacun affiche à sa façon la nostalgie de cette belle journée passée avec nos nouveaux amis. Le lendemain, Syracuse. Henri Salvador, le poète qui ne l'a jamais vue tout au long de sa vie, l'a décrite comme personne d'autre. La légende veut qu'Archimède ait mis au coin des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains et pour ainsi les enflammer. La météo ne nous offre pas ce soleil de braise aujourd'hui. Ce n'est qu'après le tremblement de terre de 1693 que Syracuse connut une renaissance de son architecture. La reconstruction, par des familles nobles, du Palazzo Impellizzeri, du Palazzo del Bosco Beneventano de l'archevêque et de plusieurs églises, comme l'église de l'Immaculée Conception, s'est achevée sur le Palace Vermexio, l'hôtel de ville, siège du gouvernement de la ville. Toujours sous la pluie, reprenons la route vers Aragona. De magnifiques plaines nous accueillent, cette fois sous le soleil et sous un vent rafraîchissant.
l'ancien footballeur et homme d'affaires Salvatore Curaba nous parle de sa Sicile et de celle de ses pères. Je reconnais ma Sicile. C'est fabuleux, ça me donne des émotions. D'autant plus que je suis retourné il y a 15 jours, mais il n'y a pas si longtemps, mais c'est toujours aussi fort. J'ai l'impression de reconnaître cette route-là. Donc, c'est la Sicile que je vois depuis que je suis enfant, et ça me donne toujours, j'ai l'impression de reconnaître en plus ce paysage. C'est fabuleux, ça me donne toujours beaucoup d'émotions. En deux pas plus bas, où c'était la maison, j'avais un mosco qui a beaucoup d'olives, de pistaches. Et moi, je fais les gardiens là quand j'avais 12 ou 13 ans. Je fais les gardiens là. Et alors. Tu n'as pas rencontré maman à 12-13 ans quand même? Non, je la connais, mais après, je connais. Ah, tu la connaissais à 12-13 ans? Oui, et puis. C'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai. Et vous êtes. Vous vous êtes mis ensemble à quel âge? Oui, quand j'avais 18 ans. Bon. Et la maman, elle avait. Pendant 5 ans, elle avait. Oui, je la connaissais parce que tous les années. Mamma è venuta a ramassare dei olivi e di pistacchia. E moi je la connais. E mi pa mamma tu solo sapeva molto di belle figlie. E tu che sapevi le figlie persone, pour regarder le figlie. J'adore cette Sicile. Et j'ai toujours vu cette Sicile brûlé, parce que quand j'allais en Sicile enfant, j'allais tout le temps au mois de juillet et d'août, hein, j'ai l'impression de vraiment connaître cette route-là. Et enfant, je ne regardais pas la nature, hein, c'est assez impressionnant, je ne regardais pas la nature. Ah oui, exactement, c'est ce four-là, c'est génial. Et je le vois encore avec du feu à l'intérieur, hein, donc j'ai encore des images avec du feu, je suis émerveillé. Et je ne regardais pas la nature, je commence à regarder la nature depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Je vois des paysages qui sont extraordinaires, mais quand on est enfant, on ne regarde pas tous ces paysages. Et donc la Sicile, c'était vraiment, enfin, à chaque fois des retrouvailles, je retrouvais mes amis, et donc c'était ma seconde vie sur place. C'était toujours très agréable, je me sentais vraiment, vraiment chez moi quand j'étais en Sicile. Et j'essaie de m'imaginer mon père enfant, puisqu'il... Bon, il allait travailler, hein, donc il allait travailler là. Il était loué par ses parents pour garder les animaux. Donc une vie quand même assez difficile. Quelquefois, il me dit qu'il ne... Bon, j'ai du mal à imaginer, mais bon, je peux le croire. Et oui, c'est qu'il ne mangeait pas à sa faim, qu'il devait se débrouiller pour manger. Et quand j'en discute avec lui, il en parle avec une grande, grande joie. Il n'en parle pas avec une tristesse ou avec de mauvais souvenirs. Il était également heureux de se retrouver dans cette Sicile. Et là, c'est vrai, là, il est vraiment, c'est quelqu'un vraiment de très positif, parce que quand je lui parle de la mine, puisqu'après, il a dû travailler en Belgique à la mine. Et ici, dernièrement, je lui ai demandé, mais explique-moi comment ça se passait, est-ce que tu étais bien, pas bien, tes amis. Et lui, il n'en parle que de manière positive. Travailler à la mine, c'était fabuleux, parce qu'il travaillait à la mine avec ses amis. Nous sommes passés ça en Italie, à Milan. Nous sommes restés un jour là-bas, nous sommes passés les amis, ils disent, voilà, vous êtes bons pour nous autres. Ok, vous êtes arrivé en Belgique, et qui est venu chercher en Belgique? Bonjour Anne, vous êtes Felice. Ah. Et tu as dormi où alors? J'ai dormi de la Sia Cruce, là-bas, à base de rose. Combien de temps tu as dormi là? Et juste quand on a venu la maman en Italie. Et puis la maman, elle avait dit ça va en Italie. Et dit, tu me viens à chercher en Italie. Puis, que tout seul, elle dit, ça va pas. Ah, je dis, ma fou, si tu viens, viens. Si tu viens pas. Si tu ne viens pas, moi je cherche une autre femme. Pourquoi tu vas en Sicile encore maintenant? Pourquoi? Pour le plaisir, parce que encore c'est les racines là-bas à la Sicile. Je connais beaucoup de personnes à la Sicile. J'avais encore à frère, à soro, les petits fils et tout ça. Et n'oublie jamais.